Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Je voudrais vous dire, chers camarades, peuple d'Afrique, Eid Moubarak à tout le monde. Bonne fête à tout le monde, parce que demain c'est la fête. Bon, on dit le Mali a fêté aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas su hier que le Mali avait vu la lune hier. Si le Mali avait eu, si je m'étais rendu compte hier que le Mali avait vu la lune hier, il allait fêter aujourd'hui. Même si la France ne fêtait pas, moi, il allait fêter aujourd'hui. Parce que pour moi, il n'y a qu'une seule lune dans ce monde. Donc, si elle apparaît quelque part, c'est qu'elle est apparue. Voilà. Si elle apparaît à la Mecque, c'est la même lune. Si elle apparaît au Mali ou bien en Philippines, c'est la même lune. Et il n'y a qu'une seule communauté musulmane. C'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si cette communauté-là, s'il y a un qui a vu, un musulman qui y a vu, mon frère, c'est un élément de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a vu. Donc, moi, je n'ai pas vu, il n'a pas vu clair dedans. L'année passée là, oh, j'ai fêté. Parce qu'ils ont foutaise. Les gens d'Arabie Saoudite, ils ont foutaise. Quand nous on voit, eux, ils ne gênent pas. Eux, ils ne fêtent pas. Quand eux, ils voient, nous, on fête. Donc, c'est eux seulement qui ont la vérité. Nous on n'a pas la vérité. Eux, ils ont la vérité. Nous, on n'a pas la vérité. Eux, là, eux, tous, ont rentré au paradis. Nous, on rentre en enfer. C'est parce que je n'ai pas vu. Ça m'a fait mal même. J'ai pris drap, ça à 17h par là, je vois Assimi Goïta en train de fêter. Oh mais merde, il a bien mangé le tchèp. Moi, il n'a rien mangé. Il en mange. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Voilà. C'est la vérité, rien. Donc, j'ai dit bonne fête à tout le monde, chers camarades, peu d'Afrique. Quand j'ai dit ça, on va aborder le sujet. On va aborder le sujet de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Burkina Faso et du Takaw Gourmand. Chers camarades d'Afrique, on va commencer déjà par le Burkina Faso. On va commencer déjà par le Burkina Faso avant d'aller au Sénégal puis en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, si je vous retiens, si je commence par le Burkina Faso, parce qu'en Côte d'Ivoire, on va beaucoup parler. À faire le casse des BCAO là, on va parler. Tapotez, mettez, envoyez les cadeaux. Facebook, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux. Parce que, vous savez, vous reconnaissez là, on veut interdire de parler. Et ça, mais il faut que je vous dise ça. Il faut que je vous dise ça parce que, faut pas que ça vous étonne. Macron là, allez là, il est dressé contre moi. Vous connaissez Macron qui est là, il est dressé contre moi. Il est en train de me mettre des balayettes dans le noir. Mais moi, je ne laisse pas dans le noir. J'ai dit ça ici. Macron a clôturé mon compte. Mon compte bancaire, je vous ai dit depuis longtemps. J'ai dit, les Néerlandais, la DGSE française est passée par une presse néerlandaise, un média néerlandais des Pays-Bas pour mener des enquêtes sur moi, là. Je vous ai dit qu'ils m'ont assimilé à Wagner. Ils disent que c'est Wagner qui me paye. Comme ils n'ont pas eu de preuves, je vous ai dit que ma banque m'avait appelé pour venir justifier les entrées de mon argent. Et je suis allé justifier. Mais la banque m'a dit de justifier ce que j'ai fait avec mon argent. Je lui ai dit, mais c'est mon argent. Voilà. Mais à cause d'eux-mêmes, je ne retirais même plus espèces. Je faisais que les virements. Mais malgré tout ça, ils ont clôturé mes comptes. Mon argent est dedans et ils ont clôturé. Il dit, bon, et mon argent? On dit, on va t'envoyer ton argent par chèque. Bon, allez là. Ils ont clôturé le compte. Bon, allez là. Bon, j'ai fait comment? Mon aide dedans, j'ai fait comment? Vous voyez la sorcellerie? Vous voyez ça? Et normalement, avant de clôturer le compte de quelqu'un, il faut au moins 60 jours. Il faut l'informer 60 jours. Ils disent, ils m'ont informé. Ils disent, mais vous m'avez informé comment? Ils disent, ils m'ont envoyé un courrier. Bon, courrier recommandé. Comment un homme en France, il se fait avoir courrier recommandé et puis il ne va pas aller chercher? Ils disent, ils m'ont envoyé un courrier recommandé. Bon, c'est leur parole contre ma parole. Ils disent, bon,
J'ai compris. Moi, je sais d'où ça vient. Moi, je sais d'où ça vient. Mais il veut me décourager. Mais vous ne pouvez pas me décourager. C'est-à-dire que si. Non, ça, c'est le bâtard. Alors que tous mes trucs, là, toutes mes opérations passent sur le compte. Je n'étais qu'à la banque postale. Je n'étais que là-bas. Je n'avais pas ouvert de compte ailleurs. C'est à la banque postale que j'étais. Donc, mes factures, là, c'est là-bas, ça passe. Bon. Heureusement que j'ai Bori Mans et je remercie mon petit frère qui a vu le mal venir de loin. Il m'a dit, Cro, il faut créer un autre compte quelque part. J'ai créé un moment quelque part et puis il est placé un peu là-bas. Exactement, actuellement. Donc, mon argent qui est bloqué là-bas, là, j'attends. Et vous m'envoyez ça. Vous comprenez, non, le combat. Le combat est dur, hein. Le combat est dur, hein. Imaginez un instant que le petit là n'avait pas attiré mon attention. Que je n'avais pas placé un petit moment quelque part. Ça, j'étais dans la merde. Même mon courant, là, c'est pas encore passé où. Je suis obligé de prendre quatre bancaires de quelqu'un, de mon petit frère, mettre de l'argent dessus pour que ça passe. Tout ça, c'est pour nous mélanger. Ils n'ont pas de preuves contre nous. Mais ils veulent nous mélanger quand même. Voilà. Moi, j'ai dit aux journalistes néerlandais, j'ai dit, c'est du racisme que vous faites là. Dire que Boro Kone est payé par la Russie pour faire des vidéos pour éveiller les Africains, c'est raciste, c'est suprémaciste et c'est un manque de respect à ma personne. Donc, vous êtes en train de dire que moi, je ne peux pas me lever de moi-même, réfléchir de moi-même et réaliser qu'on est exploité par la France à travers Alassane Ouattara. Je n'ai pas de tête pour réfléchir. Mais je peux réfléchir. Mais je dis, Macron, toi et moi, on est ensemble. Ouais. Moi, je ne quitte pas la France, hein. Moi, si tu me vois quitter la France, là, c'est pas à ce moment-là, c'est qu'on a plus le pouvoir en Côte d'Ivoire. Si on prend un pouvoir, je rentre. Mais tant qu'on n'a pas encore plus le pouvoir ici, dans ton nez ici, la France, là, nos aïeux sont morts pour libérer France, là. Ton mot tient, Macron. Chaque matin, ton mot tient. Mais si là, c'est toi, il y a déjà placé tous mes pions. Tu pousses ici, je pousse là-bas. Tu pousses ici, je pousse là-bas. On est ensemble, toi et moi. On est ensemble. Il y a beaucoup qui m'ont dit non, quitte. Je quitte pas. On est ensemble. Allez, vas-y, peut-être à Marseille. Je suis peut-être mobiliser les camarades. Il est parti à Lyon, en mai, là, à Lyon, pour aller mobiliser les camarades. On est ensemble, toi et moi. Moi, c'est que t'avais. Si la France est pour ton papa, là, tu as me dit ça. Moi, maudit, là. T'as la mère de balayette, quoi. Moi, j'ai tout prévu. Moi, j'ai un visionnaire. Moi, je vois loin. Mais il a tout prévu. Oh, n'a rien compris d'abord. Il n'y en a pas. Cher camarade d'Afrique, il ne sait pas. Moi aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir. D'ailleurs, on va commencer par le Sénégal. Il y a quelque chose, cher camarade. Attends d'abord, ce qui m'a fait plaisir, là. Regardez le gouvernement de Diomaye Faye. Vous voyez le gouvernement de Diomaye Faye? Attendez. Oh. Merde. Le camarade là. Le gars qui est là, que vous voyez là. Là. Au bout là. Lui là. Il s'appelle Aliou Sall, lui là. Il est au. Quand tu prends. Où sont-ils? Voici Bachirou. Voici Sonko. Où sont-ils arrêtés là? Vers Sonko là, la dernière rangée là, il est derrière. Il s'appelle Aliou Sall. Aliou Sall, on s'appelait ici pour faire les stratégies de marche pour le Sénégal. Aliou Sall. Quand je voulais des informations, je l'appelais. Il me donnait des informations par rapport à la marche. Il était le député, il était le représentant, le député du PASTEF ici en France. Il est nommé ministre. Il est rentré. Aliou Sall, j'ai son numéro, c'est mon gars. Il est ministre aujourd'hui au Sénégal. Parce qu'il a combattu. Parce qu'il s'est pas laissé faire. Il est ministre aujourd'hui au Sénégal. Tout ça, moi, ça me réconforte. Tout ça, moi, ça m'encourage.
courage, il va dire, allez là, courage va me tuer. Non, prends pour 2025. Non, prends pour 2025. Moi, il y a avoir position. Aïe, il y a avoir position. Allô, ça, le voici. Il est nommé ministre. On était ici ensemble, on marchait ensemble. Le voici, il est nommé ministre. Le voici. Allô, ça. Allô, ça, le voici. Ah, le voici ici. Allô, ça. Le voici. C'est mon gars. Ils sont numéro de France. Il me demande si son numéro passe encore. Mais en tout cas, après, il a appelé. Lui, il a appelé. On va clore cette affaire. Il faut que j'aille saluer le ministre Aliou Sall. Ah, tiens, j'ai salué le combattant Aliou Sall. Il faut que j'aille saluer le ministre Aliou Sall. Tiens, ça ne dit rien. Hein? Ah ouais, d'accord. Donc, tout ça, moi, ça m'encourage à mener le combat. Et ce combat sera mené. N'en déplaise à qui que ce soit. Ce combat sera mené qu'à la bord. Si on doit mourir, on mourir. Mais ce combat sera béni. Chers camarades pédafiques, tapotez, mettez le cœur. Ibrahim Traoré, c'est un monsieur. Attends, j'ai allumé ça là-bas. Ibrahim Traoré, c'est un monsieur. Frère, il a envoyé de nouveaux vecteurs aériens. Tiens! En plus des missiles qui rentre dans la forêt à guidage laser et qui va chercher les terroristes là où ils sont pour les frapper là. En plus de ça, il a fait venir d'autres vecteurs aériens. Chers camarades d'Afrique, je vais vous montrer la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Partagez au maximum. À qui, grâce à vos multiples contributions à l'effort de paix, des vecteurs aériens développés par une société turque qui viendront intensifier la lutte pour la reconquête du territoire. Le chef de l'État a remis ce jour même l'ensemble de l'équipement au ministère de la Défense et des anciens combattants. Les précisions avec Bienvenue Thompson. Du sang neuf au rang des combattants du ciel. Une douzaine de drones de combat acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés. Un lot de vecteurs aériens que le chef de l'État met ce lundi à la disposition du ministère de la Défense et des anciens combattants. Sentiment de joie qui nous anime de procéder ce matin donc à la réception d'abord et à la mise à la disposition de la Défense d'un certain nombre d'appareils constitués essentiellement de Bayraktar TB2. Bayraktar. C'est un appareil que vous connaissez déjà. Mais maintenant avec la nouveauté de Akinchi, qui sont là depuis un bout de temps en phase de test, et tous les tests ont été concluants. Et donc, c'est une fierté ce matin de confirmer que ces appareils rejoignent donc la flotte de l'armée burkinabé. C'est un renfort important dans le cadre de la reconquête du territoire national, assure le capitaine Ibrahim Traoré, confiant quant à la performance de ces appareils développés par une société turque. TB2 n'est plus à présenter, je pense qu'il fait ses preuves depuis le début de cette guerre. Et je pense que la nouveauté, c'est le Akinji. Et il a surpassé ses capacités techniques même que le constructeur avait prévu ici. On l'a soumis à de fortes épreuves en ses capacités d'emport, d'endurance, de plafond, de vitesse, de performance. En tout cas, il a fait ses preuves. Et je pense qu'au cours du test, il a participé même à des missions de combat. Donc, ce sont des appareils très performants, fiables. Que nous avons actuellement. Voilà. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, c'est un ouf de soulagement. Le capitaine Ibrahim Traoré peut avoir la conscience tranquille, le matériel reçu sera utilisé à bon escient. Avec ce que les populations ont pu contribuer, nous avons une multitude d'engins de ce genre actuellement dans le ciel. Hein? Qui scrutent, qui recherchent au besoin retrouver et détruire tout ennemi. Aussi saluer le chef suprême des armées qui, par rapport à sa vision et ses instructions, fait en sorte que rien ne puisse nous manquer en matière de moyens stratégiques d'appui aux forces. Ah, et bien c'est un 10. Cette acquisition matérialise le dynamisme de la coopération entre le Burkina Faso et la Turquie, indique le capitaine Ibrahim Traoré, qui traduit ici ses remerciements au président turc Recep Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc
cette coopération comme il le fallait. Et on le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère, et en tout cas jusque-là, tout se passe très bien. Les remerciements vont aussi et surtout à l'endroit du peuple burkinabé qui s'est saigné pour que ce matériel de guerre foule le sol burkinabé. Tout ce que vous voyez, c'est grâce au peuple que nous pouvons acquérir ce genre d'appareils. Ces appareils vont augmenter notre capacité opérationnelle, ça c'est sûr. Certains appareils se retrouvent en maintenance, nous n'avons pas un certain nombre d'appareils pour faire le relais. Donc l'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps opportun, d'avoir une surveillance permanente. Donc merci encore au peuple burkinabé qui a compris le sens du combat. Merci surtout pour cette contribution qui permet aux forces armées de pouvoir monter en puissance pour la défense de notre territoire. Cet arrivage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. Reste, foi du ministre en charge de la Défense, une dernière phase de ce qui était prévu sur ce premier plan d'équipement. Ah non, c'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. Aïe. C'est-à-dire qu'à l'aile, là, les terroristes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils vont se chercher, ils vont courir. Ils vont fuir. Il y en a qui vont courir avec leur caleçon sur la tête. Mais ils les frappent. Ils les bombent. Ils les babougou. Frère. Mais ils les cherchent même. C'est-à-dire que. Non, c'est, mais c'est bon. C'est à quoi de ça, Dramane Ouattara a envoyé hélicoptère pour aller agresser les gens. Parce que les terroristes n'arrivent plus à rentrer. Ils sont scrutés. Ils sont recherchés. Frère, ils sont poursuivis. Ils sont frappés. Ils sont traités avec efficacité et les opérations se poursuivent. Mais c'est Euromagne. Pendant ce temps, et c'est là, je vais rentrer en Côte d'Ivoire en même temps. Pendant ce temps, il y a un Waworo qui. Il y a un groupe de Waworo qui s'est formé en Côte d'Ivoire pour attaquer. Et le Burkina Faso, c'est-à-dire que pour vilipender Ibé, pour essayer d'agresser, de manipuler le peuple burkinabé afin que ce peuple se lève contre Ibé. Mais cette force, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Front pour la Défense de la République, FDR. FDR, voici le porte-parole. C'est-à-dire que un zozo, un Kodjougou, un Kafri, un Waworo. C'est-à-dire que un Kodjougou, c'est-à-dire que c'est lui qui se tient en Côte d'Ivoire pour lancer l'opprobre sur le gouvernement burkinabé, malgré les efforts inlassables fournis par Ibé. Et le peuple burkinabé qui ne cesse de soutenir en puissance ce gouvernement. Mais ceux, ils ont été reçus, d'après mes informations, ils ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères qui est parti en Côte d'Ivoire avant-hier et qui a été reçu par Dramane Ouattara lui-même. C'est comme un peu d'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, de la France, est arrivé à Abidjan avant-hier, je pense. Il est arrivé à Abidjan. Il a été reçu par Dramane Ouattara lui-même. Et il a reçu ces jeunes-là pour leur donner l'argent, pour leur mettre les moyens à la disposition avec eux. Ils continuent, chers camarades peu d'Afrique, de manipuler le peuple burkinabé avec le peuple burkinabé se désolidarise de Ibé. Je vous ai de mettre les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs, ils vont mêler le direct. Mettez les cœurs, chers camarades. Mettez les cœurs. Je ne sais même pas. Cœur à la main, ça vous fait voir. Hein? Mettez les cœurs. Vous comprenez ça? Ils ont été reçus. Le ministre, là, il est parti là-bas pour ça. Lui et puis Dramane Ouattara ont parlé du Burkina Faso et du Sahel. Donc ils ont financé ce mouvement-là pour que ce mouvement-là puisse donner de l'argent à ces tentacules
qui sont à l'intérieur de Burkina Faso, avec ceux-ci, puissent mener une campagne de manipulation contre le pouvoir de Ibé. Ouais. Contre le gouvernement, contre le régime de Ibé qui travaille pour le peuple. Mais nous leur disons que nous sommes là. Nous sommes là. Est-ce que vous comprenez? Nous, on est là. Donc, votre manipulation, là, ça ne peut pas passer. Ça n'est pas prospéré. Même si la France veut qu'elle aille vous donner des milliards, votre manipulation n'ira nulle part. Nulle part, votre manipulation ira. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour lutter contre ça. Chers camarades, peu d'Afrique. Quand je vous dis qu'on est en puissance et on avance en puissance et on va gagner ce combat, croyez-moi. Croyez-moi, chers camarades. Il est parti, il allait parler, le ministre là, il allait parler du franc CFA. Le franc CFA. Il allait parler du franc CFA là-bas. Mettez les cœurs sur Facebook, mettez les cœurs. Il allait parler du franc CFA parce que le Sénégal est en train de chercher par tous les voies et moyens pour quitter le franc CFA. Et si le Sénégal quitte, Babo l'a dit, l'AES a déjà trouvé sa monnaie. Tout est déjà prêt. Ce qui reste à l'AES maintenant, c'est de fabriquer ses billets, de produire ses billets. Et le Sénégal va rejoindre la monnaie de l'AES, à coup sûr. Donc la France est en train de mourir de ce côté-là. Maintenant, ils sont allés parler de ça. Et ils ont parlé, chers camarades d'Afrique, de la légitimité, de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo pour les élections de 2025. Parce que vous savez que le président Gbagbo, Traoré Ouattara, l'a condamné à 20 ans de prison. Une condamnation inique, farfelue, avec des magistrats corrompus. Mais on va essayer ici, chers camarades, peu d'Afrique. Gbagbo Laurent a dit, le président Gbagbo, quand il était à Beauville, il a dit qu'un texte sera produit mardi pour que chacun puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Et puis, on le menace. Et puis, on l'accuse. Et puis, on le rend inéligible pour 2025. Là. On retire son nom de la liste électorale. Là. Ce qui s'est réellement passé pour que tous les Ivoiriens puissent savoir de quoi il s'agit. Le texte, il est là. Je l'ai mis sur ma page. Mais je ne vais pas me limiter qu'à là. Je vais vous lire. Depuis 2010, et puis on dit, je vais vous lire ça. Parce que le texte, il faut que tout le monde soit à la place de Trocadéro pour dire non à la forfaiture que Traoré Ouattara s'apprête à faire contre le président Gbagbo. Tout le monde, il faut que tout le monde soit là, chez les camarades d'Afrique. Donc, je vous donne lecture. C'est vrai que je n'ai pas encore lu. C'est vrai que c'est long, mais il faut que je vous donne lecture pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Ben, vous là, vous ne lisez pas. Les Ivoiriens n'aiment pas lire. Voilà. Quand on parle de lecture même, il commence à se déconnecter. Pompez le cœur, hein, Kézi. Donc, écoutez, hein, lis ça. La ridicule affaire dite vol à la BCAO est dans les banques commerciales. D'ailleurs, même, regardez, le samedi 13, là, le président Gbagbo sera investi solennellement et officiellement comme notre candidat pour 2025. Pour dire qu'il n'y a même pas question de parler de plan B. Voilà. Donc, on est parti. Depuis le 19 janvier 2018, le verdict est rendu par le tribunal de la première instance d'Abidjan agissant en matière correctionnelle dans l'affaire communément appelée braquage de la BCAO continue de polluer la vie politique en Côte d'Ivoire. L'on sait que la chambre correctionnelle du dit tribunal était entrée en voie de condamnation des prévenus pour les faits de vol à main armée opérés à la BCAO et dans diverses banques commerciales ivoiriennes durant la crise post-électorale. Et détournement de deniers publics. Voilà, mais. Ainsi,
le premier ministre Akin Ugbo et le ministre Désiré Dalo ont été jugés contradictoirement et condamnés à 20 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Déjà, violation de leurs droits. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Justin Katina Kone, jugés par défaut parce que le premier était encore dans la prison de la CPI, et le second était en exil au Ghana. Un mandat d'arrêt international avait été émis contre celui-ci. Les deux prévenus avaient été condamnés également à 20 ans de prison ferme dans leur délibéré délirant. Les juges de la chambre correctionnelle ont mis à la charge des condamnés des dommages et intérêts de 329 milliards de francs CFA, 500 millions d'euros, représentant le préjudice qu'auraient subi les victimes des faits imputés aux condamnés. C'est-à-dire que la honte même est étonnée. C'est-à-dire que un dommage et intérêt de 329 milliards que les prévenus devraient payer. Pour préjudice causé aux victimes. Quelles victimes? La BCAO même dit qu'il n'allait pas voler. Kamara, mettez les queues, s'il vous plaît. Mettez les queues, pompez les queues. Je continue de lire. Dans le narratif des juges de la chambre correctionnelle, le ministre Justin Kone Katina était reconnu coupable en tant qu'auteur principal. Par la suite, le 6 octobre 2018, le chef de l'État a pris l'ordonnance numéro 2018-669 du 6 août 2018 portant amnistie. Cette amnistie a paradoxalement effacé les faits considérés comme des infractions à l'égard de tous, y compris de l'auteur principal, sauf à l'égard du président Laurent Gbagbo qui a été condamné comme complice. Voilà, il faut que je vous explique un peu. Zombra, soit salué, depuis ta position. Il faut que je vous explique un peu. Dramane Ouattara a pris une loi pour amnistier tout le monde par rapport à la case de la BCAO. Le principal auteur qui était lui n'a pas été amnistié. Ceux qui sont principaux auteurs même là, ils ont été amnistiés. Eux n'ont rien fait encore. Eux, leur affaire là, c'est géré. Mais le président Laurent Gbagbo qui est complice là, qui a été jugé comme complice là, lui n'a pas été amnistié. Cette sélectivité de l'ordonnance d'amnistie à son égard, ajoutée aux conditions ubiesques de son procès, explique mieux l'unique objectif poursuivi par le dit procès. L'unique objectif poursuivi par le dit procès. On va aller pas à pas. Même si personne, y compris leurs pourfendeurs les plus endoctrinés, ne croient à la moindre culpabilité des quatre condamnés, il importe cependant, pour les besoins de l'histoire, de revenir à la crise post-électorale dans sa déclinaison économique et financière. J'ai eu l'avantage de connaître mieux cet aspect de la crise post-électorale pour deux raisons essentielles. La première tient du fait que, en tant que ministre en charge du budget, j'ai été la première
pardon, j'ai été appelé dans le cadre de mes fonctions à jouer un rôle de premier plan dans la gestion de cette crise dans sa dimension économique et financière. C'est Katina qui parle. Hein. La seconde raison procède des poursuites judiciaires engagées contre moi par le gouvernement ivoirien alors que j'étais en exil. Arrêté le 24 août 2012 à l'aéroport d'Accra, j'ai dû me défendre dans un procès en extradition diligenté par la justice ghanéenne pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Ce procès qui a duré plus d'un an s'est dénoué à ma faveur le 30 août 2013. Le juge qui connaissait de cette affaire avait rejeté la demande d'extradition. Dans son délibéré, le juge avait trouvé les accusations portées contre moi non fondées et avait conclu qu'il ne trouvait pas d'autre explication à cette demande d'extradition que des motifs politiques. Des motifs politiques. Ce procès qui a porté sur les mêmes faits que ceux pour lesquels nous serons condamnés à Abidjan m'a donné l'avantage de connaître les pièces à charge contre moi. C'est l'exploitation de ces pièces et de certains documents que j'ai à ma possession du fait de mon ancienne fonction ministérielle qui me permet de répondre à la problématique que soulève notre condamnation qui continue de survivre à l'amnistie prise le 6 octobre 2018 uniquement aux dépens du président Laurent Gbagbo. Cette polémique est désormais posée dans les termes suivants. Chers camarades peu d'Afrique, mettez le cœur par la vidéo. Je suis en train de lire le texte dont le président Laurent Gbagbo a parlé à Beauville. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce texte qu'il est en train de lire. Donc mettez le cœur. Mettez le cœur. Pour ne pas que les gens aillent vous mentir devant là-bas. Là. Ce qui s'est passé, c'est en train de vous le dire ici. Le président Laurent Gbagbo a-t-il commis les infractions à titre d'auteur ou de complice de vol à main armée à la BCAO ou dans les banques commerciales? Le président Laurent Gbagbo... Non mais attends, vol à main armée? Le président Laurent Gbagbo aurait commis un vol à main armée? Mais pourquoi? What that? Le président Gbagbo s'est-il rendu coupable à quelque titre que ce soit de détournement de deniers publics au détriment du trésor public? La période concernée par ces questionnements part du 4 décembre 2010 au 11 avril 2011. Pour répondre à ces questions, dans un souci dictatique, nous proposons une démarche chronologique autour du dualisme action-réaction. En d'autres termes, quelles sont les actions posées par les adversaires du président Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale et quelles ont été les réactions de ce dernier. Tout en analysant ce dualisme action-réaction, il importe nécessairement de le mettre chacune des causantes de ce dualisme en rapport avec la loi ivoirienne, compris au sens générique. Aussi, proposons-nous d'organiser notre démarche autour des axes suivants. La chronologie d'une tentative illégale d'asphyxie de l'État ivoirien. Les mesures correctives légalement prises par le président Laurent Gbagbo pour déjouer le piège de l'asphyxie économique et financière posé par la coalition de ses adversaires.
chronologie d'une tentative illégale d'asphyxie orchestrée contre l'État de Côte d'Ivoire, contre l'État ivoirien. Les mesures de rétorsion engagées par la coalition anti-Laurent Gbagbo entre le 4 décembre 2010 et le 11 avril 2011 ont été implémentées en deux phases. Une première phase qu'on pourrait qualifier de préliminaire. Ah, ok, donc il a fait le travail. Une seconde phase qui pourrait être qualifiée d'active B. Ok, il y a le plan A et le plan B. La phase préliminaire A, le 28 novembre 2010, a eu lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a opposé les candidats Laurent Gbagbo, président de la République sortant, et Ouattara Alassane. Le 2 décembre 2010, ces élections connaissent leur dénouement par la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle de 2010 par le Conseil constitutionnel déclarant le président Laurent Gbagbo vainqueur. Le 4 décembre 2010, celui-ci prête serment devant le Conseil constitutionnel. Ayant été envoyé de nouveau à ses charges, le président Laurent Gbagbo procède à la nomination du Premier ministre Gilbert Marie Akengbo par le décret numéro 2010-309 du 5 décembre 2010. Le nouveau Premier ministre forme son gouvernement entériné par le décret 2010-3012 du 6 décembre 2010. Le 7 décembre 2010, le Conseil des ministres sous la présidence effective de son Excellence le président Laurent Gbagbo. Chers camarades peu d'Afrique, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Entre-temps, le candidat Ouattara Alassane, qui a refusé de reconnaître les résultats définitifs de l'élection présidentielle proclamée par le Conseil constitutionnel, prête également serment par lettre écrite envoyée au Conseil constitutionnel le 4 décembre 2010. Évidemment, celui-ci rejette ce deuxième serment. Donc, le Conseil constitutionnel a rejeté le serment de Laurent Gbagbo. C'est finalement le 6 mai 2011 qu'il prêtera serment après le renversement manu militaire du Laurent Gbagbo. Pour arriver à cette fin, le candidat Ouattara et la coalition nationale et internationale portée par la France utilisaient tous les instruments de rétorsion dont les plus inédits étaient les tentatives d'étouffement économique de l'État ivoirien. Dans la phase préliminaire, diverses initiatives ont été prises pour démarcher les cadres civils et militaires afin de les détourner du président Laurent Gbagbo. Ces démarches sont menées par certaines chancelleries, notamment française et américaine. La chancellerie française et américaine. Merde, c'est quoi tout ça là? Camarades, mettez le cœur. Est-ce que vous m'entendez quand je parle là? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Je suis sur Baro Kone l'Africain. Est-ce que vous m'entendez quand je parle là? Mettez le cœur si vous m'entendez. Dites, on t'entend parfaitement. Si vous m'entendez bien. Sinon, on va couper le direct pour relancer là. Ça fait chier là. Au niveau financier et bancaire, la BCAO devient un enjeu stratégique majeur pour le contrôle de l'État. Aussi, plusieurs démarches furent-elles diligentées en direction du gouverneur de la BCAO, Dakoury Tablé, Philippe Henry, pour le convaincre de collaborer avec le gouvernement du Golfe que le candidat
Ouattara avait formé pour s'opposer au gouvernement formé par le président Laurent Gbagbo, à qui la constitution donnait une base légale et légitime du fait du serment à lui donné par le Conseil constitutionnel. Et ainsi, tour à tour. Voilà. Ainsi, tour à tour. Écoutez très bien. Monsieur Ouattara Alassane appela deux fois le gouverneur de la PCAO. Puis Monsieur Albert Toakes, agissant en qualité du ministre de plan du gouvernement du Golfe, est allé à Dakar rencontrer le gouverneur de la PCAO, Monsieur Adama Kone, agissant comme DG du Trésor du gouvernement du Golfe, aussi entrepris pareil démarche en direction du gouverneur de la PCAO, concomitamment. Toute l'administration française se mobilisa pour couper les sources de financement de l'économie ivoirienne. La France. D'abord, l'ambassadeur de France au Sénégal, M. Nicolas Normand, entreprit de démarcher le gouverneur d'Akouri, en y mettant toutes les forces de menace et d'intimidation sans succès. Le gouverneur de la Banque de France, M. Christian Noyer, monta au créneau et connut la même information que l'ambassadeur. Le 19 décembre 2010, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie de France, adressa le courrier référencé 004552 directement au gouverneur de la BCAO pour lui dicter la conduite à tenir, c'est-à-dire ne permettre les mouvements de compte de l'État à la BCAO qu'au seul préposé nommé par celui que le gouvernement français considère comme le président de la République, M. Alassane Ouattara. Vous avez vu comment la France a mis son barbier dans notre affaire. Vous avez vu non, comment la France a mis sa bouche, sa tabou de vipère dans notre affaire. Vous avez vu non? Voilà. C'est ça qui me... C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre. Elle, avec la politique française. On ne peut pas s'entendre, là, on s'entend comment? Non, c'est quoi ça? Putain. Excuse-moi. Voilà. Le gouverneur de la BCAO, à qui aucune disposition, ni légale, ni statutaire, ne donne compétence pour s'opposer à la légalité constitutionnelle d'un État souverain, de surcroît, l'État le plus important en termes de puissance économique, de l'institution qu'il dirigeait, est resté constant dans sa position en résistant à toutes ses tentatives assorties de menaces, ayant constaté l'échec de la phase préliminaire, la coalition anti-Gbagbo entama la phase active des mesures de rétorsion. C'est-à-dire que toutes les menaces qu'ils ont faites en direction de Dakouri, Tablé, il a refusé là. Maintenant, on va passer au plan B. On va passer au plan B maintenant. B, la phase active des mesures de rétorsion. Cette phase